Voilà, quatrième jour. Les compagnons, pleine remontée du glacier. Quatrième jour rude, levé 6h. Inertie de 2h, on part à 8. Fait une petite demi-heure qu'on marche. Alors l'objectif, c'est de remonter toute cette partie glaciaire. Tout ce glacier. Cette partie. Et le gros objectif de la journée, c'est le mont Grand Mongol au Kuiten qu'on voit ici. Voilà. Donc à gauche, on va remonter cette arête qui est un petit peu gelée. Voilà. Et on va aller jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet qui est ici. Ouais. Peut-être on va redescendre sur l'autre côté. Belle montagne, 4300 mètres, meublé. Une belle journée en perspective. Ouais. Du coup, on y est. Il y a un tout temps, vous avez reçu une après-midi, là, tu vas grimper la malle. Génial. Ouais. Ça va être beau. Donc, il reste à la DZ. Flesh, you hit the ground. Mouth so full of lies, tend to block your eyes. Just keep them closed, keep praying, just keep waiting. Waiting for the war. The day that never comes. Quand on vient là, on n'est quand même pas pris par le mauvais temps, je pense. Non, je pense qu'on peut être tranquille. Je vous en profite, je pense. Et donc là, le vent ne menace pas plus que ça. Donc autant en profiter. On peut se permettre, c'est pas dangereux. Je pense que la descente, on n'aura pas de soucis non plus. Une belle face. La face du Kuiten, la corniche sommitale et la paroi déjà verticale. Se redressait encore et le plus dur restait à faire. Le franchissable, l'infranchissable. C'est plus comme ça, c'est ça. Moi, c'est moi, j'ai vraiment.
Voilà, arrivé au Cuitem. Premier sommet, il y a encore un deuxième. Hein. Belle arête. Belle arête. Super vue. Direction. Chine. Là, on passe en Russie. Non, c'est que tu veux venir ici. Tu avec l'autre sommet et le Bidos. Merci Nico. Cool. Et le copain de Cordée, Damien. Merci Damien. Merci à toi aussi. Service. 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 On en parlait tout à l'heure. Hein. Avant de les voir, donc. Premier sommet. Bien joué les gars. Salut. Kepa, super. Bravo. Bien joué Fred. Grand Mongol. On va aller au Grand Mongol quand même. Ouais, quand même. Bravo Mitch. Impression là, chaud.
dans les spécialistes quand même. On va pas finir le dîner. Oh, après ça va vite. Oui, ça va vite, une bonne partie. Il était gelé, le fromage. Ouais. C'est trop bon. Faut que tu la lèves un coup là, ça serait trop bon. La lèves plus, pas encore. Hein. T'as rien moins un coup toi. Hop là. Voilà. Oh, ouais. Oh nom de Dieu. C'est bon, gros animal. Effectivement, hein. C'est bien. Oh, de Dieu, non, c'est excellent. Excellent, c'est pas imaginable. Non, cette fois vous êtes fous. Ben, bon appétit, hein. On va tirer un petit coup de rouge avec. Ah, ça, ouais. C'est là qu'il s'improvise, chef serveur, là. Ouais, moi, je veux manger. Ça va, Sarah, ça te plaît? Tu vois, ça se mange, hein. Peut-être. On peut mettre le couvercle. On peut mettre le couvercle par le grand. Oui, excellent. Pareil, là. Et il était raclé à merveille. Attends, je vais couper du sauce un peu. Pour faire ma place. Ouais, attends. Ouh là là. Avec le fromage, tic-tic, vous faites ça aussi. Ouais. Tic-tic, quoi. Et au feu, vous avez acheté des... aussi avec des appareils, ouais. Des appareils. Ouais, c'est jamais fait, moi. Je prends pas la bois, alors. Ouais. Je prends pas de quoi. Il faut faire avec le moulin, il y a tout. Bon, non, ce machin est gaz, hein. Le gaz, un bon feu. Le gaz part. T'as passé si bien. Ah, maîtrise de la pomme. C'est beau, hein. C'est connu, ça. C'est ça, déjà, le grand souci de la raquette, c'est qu'il y a tout le monde qui a la maîtrise de la pomme. C'est dangereux. Sans patin, je prends pas la pierre. Ouais. Ouais. Et c'est combien la fusion pour l'atome? Fukushima, ils sont bien au point sur la fusion de l'atome. L'atome.